Salut tout le monde, c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Jaune pour l'épisode 14 de Un jour je serai le meilleur dresseur. Donc c'est pas un épisode comme les autres, ce sera un petit épisode entre guillemets hors série. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode, donc je le fais pour pas que vous m'insultiez d'avoir arrêté ma série sans vous le dire, parce que c'est pas le cas déjà d'une. C'est juste que, comme vous le voyez dans le titre, qui s'appelle En attendant Taker, j'attends Taker pour tourner l'épisode de la reine de Jadiel. Le problème, c'est qu'on... Oh, merde. Le problème, c'est qu'on n'a pas de... Enfin, on n'arrive pas à trouver, pour l'instant, d'horaire en commun. On a déjà essayé plusieurs fois, mais ça a jamais marché. Donc du coup, bon, c'est un petit peu la merde, et depuis le dernier épisode, j'ai pas cessé d'essayer de tourner avec lui, hein. Il est d'accord, bien entendu, mais on n'a pas réussi... Quoi, il est pas mort? Ok. On n'a pas réussi à se trouver d'horaire commun pour l'instant, donc ça ne devrait pas tarder, je suis bientôt en vacances. Donc moi j'aurai plus de temps, parce que c'est surtout de ma faute en fait. Puisque quand lui est disponible, et moi je le suis pas. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je suis ici? Vous le demandez sûrement. Pour faire de la merde, comme vous pouvez le voir. Pour aller à la grotte de... J'allais dire de Ho-Ho. Non, mais oh, pourquoi j'appuie sur la touche du haut? Parce que j'ai pensé Ho-Ho, alors j'appuie sur la touche du haut. Pour aller à la centrale, pour aller voir Elector. On va se faire ça dans cet épisode. Et voilà, voilà. On va essayer d'aller choper Elector. Je sais pas du tout si j'ai le niveau approprié. Je sais pas non plus. Mais je suis con. C'est pas de petite ténèbre. N'importe quoi. Je sais pas du tout si j'ai des balls. On va regarder ça tout de suite. Ah non, j'en ai pas du tout. Bon, on va buter ce mec rapidement. Rapidement, j'ai dit, dis-moi que t'as pas d'autres Pokémon. Si t'en as encore deux, génial. Il va appeler Monsieur X-Oral, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Allez, Mizu, tu peux le faire. Encore une racaille. Allez, salut petit Cortex. Let's go. Alors mine de rien, cette série là aussi à l'approche de la fin, j'avais fait la remarque dans Spyro. Il nous reste quoi? En gros 2-3 épisodes après celui-là. L'épisode avec Taker qui fera la reine de Jadiel. Et peut-être, je dirais même sûrement, la roue de victoire. Donc là, le début d'épisode ne sert à rien. Ça va, c'est que 3 minutes, qu'est-ce que je fais? Bon, 2 secondes, merci. On accélère. Le début d'épisode ne sert à rien. Est-ce qu'il y a un shop dans cette ville? Il est là. Hop, alors, qu'est-ce que tu me vends? Plein de choses, je suppose, des Pokéballs. Non, t'es pas sérieux, alors. Putain! Je veux pas attraper un Elector avec une Pokéball! Même si, en règle générale, d'après ce que j'ai pu constater de mon expérience personnelle, les Pokémon les plus puissants sont plus faciles à attraper que les balls les plus faibles. Oui, mesdames et messieurs. Je ne suis pas fou. Il y a un Mewtwo, par exemple, dans ma version Verfeuille. Bon, après, je sais pas si c'était pareil à l'époque, mais dans ma version Verfeuille, j'ai balancé toutes mes hyperboles, toutes mes superboles. Ça n'a jamais attrapé. Et miracle, non, j'ai pas assez d'argent là. Miracle, je lance une Pokéball et ça rentre tout seul. Voilà, c'était magique. Est-ce que j'aurais pas des choses à te vendre, toi? Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein. Du fer, qu'est-ce que ça fait le fer? Merde, ça fait quoi le fer? Le fer, je crois que c'est la défense. Qui a besoin de défense? Balti. Balti, il est pas très résistant.
Ouais, c'est la défense, c'est ce qui me semblait. Putain, imaginez, c'était l'attaque. Mais je sais que l'attaque, c'est la protéine. Carbone, c'est la vitesse. Ça, je le sais très bien. On va le donner à Senlin parce que Florizarre, il me semble, est très lent. Calcium. Calcium, ça doit être le spécial. Balti. Allez, je connais tout. Je suis fou. C'était 38. C'était côté déflagration. Wow! Ah oui, on l'avait récupéré dans l'épisode avec The Bug. L'épisode qui avait bugué. Attends. Ah oui, d'accord. Ouais, pas apte. J'avais pas vu le pas en fait. Je me disais. Quoi? Florizarre est apte. Pikachu est apte. Et. Comment ça s'appelle? Tortank est apte. What the fuck? Déflagration. Blaze ne peut plus rien apprendre. Bah ouais, bien entendu. Hein. Alors, ne pas faire de conneries. On va enlever la mèche. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on ait trop le choix. Hop, on va prendre déflagration. Et je sais très bien, j'ai pertinemment même. Merci. Je sais pertinemment que Blaze va bientôt apprendre lance-flamme. Touk, 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 touk. Et je préfère les appeler par leur surnom que par leur vrai nom. Hein. Donc Blaze pour les nouveaux arrivants, c'est Dracaufeu. Quoi, je les ai déjà achetés là, les balls. Putain, je fais n'importe quoi. Ça recommence très mal, j'ai envie de dire. Ok, on a 27 balls. On va aller rapidement. Oups, j'appuie sur speed sans faire exprès. On va aller rapidement au PC. Hop, on va aller au PC de Sacha. On va stocker quelques petits objets qui ne nous servent pas. Alors, est-ce qu'on a des super bonbons? Non, c'est une super bowl. La clé secrète, on va pas en avoir besoin. La guérison, est-ce qu'on va en avoir besoin? Je ne pense pas. Max repousse, je vais les garder, ça peut toujours servir. Potion max, corps de sortie. Corps de sortie, non, on va pas en avoir besoin. J'en ai déposé qu'une. Voilà. Hop. Merci. Au cas où, on obtiendrait des objets là-bas. Hein. Alors, les CT. Une canne, une carte, une CS, une pierre lune, un élixir. Huile max, Pokéball. Potion max, CS5, bas de jeton, pierre haut, passe bateau. Ah bah on a une Super Bowl. Qu'est-ce qu'elle fout là, la Super Bowl, sérieux? Et la Master Bowl, bon, on va pas l'utiliser sur Elector, hein, quand même, ça sera un peu vulgaire, j'ai envie de dire. PP+, non. Plus, bah ça c'est ce qu'on vient de déposer. On va prendre... Ce soir, tu vas prendre... Oh oui, tu vas prendre... Hop, pas prendre les Pokéballs. Au cas où on rencontrerait un Volterbe. Allez, c'est parti. J'aurais peut-être dû les soigner aussi, tant pis. Puisqu'il y a Mizu qui a pris quelques dégâts. Il est où? Il est là. Blaze, Vol. Jadiel, Argenta, Azuria. On accélère. Hop. Là, pareil, on va accélérer. À bientôt. Excusez-moi de faire des accélérations, hein, mais j'ai pas envie de prendre trop de temps pour un truc aussi peu peu utile qu'un épisode où aller choper Elector. Alors, l'épisode de Mew, finalement, je sais pas si je vais le faire parce que ça m'a l'air un petit peu. Un petit chouïa compliqué. Hein. Allez, on recoupe. C'est reparti. On va prendre la Bibi. La Bibi, la Sissi, la Cyclette. Aussi, l'épisode final, il sera pas avec Siphano, parce que... Voilà. Hein, ceux qui sont sur Twitter savent pourquoi. Et ceux qui parlent souvent aussi, d'ailleurs. Comme Taka. Coucou Taka, qui passe son brevet bientôt. T'auras même, tu sais, t'as juste le brevet du collège.
J'espère que vous aurez saisi la référence pour la plupart d'entre vous. Allez, c'est parti. Il était avec qui déjà le dernier épisode que j'ai fait? Oui, avec The Bug, mais avant celui qui a été posté. C'était, je crois, avec Kitty et Sid. Ça doit être ça. Ouais, c'était avec eux. Avec le mazo nageur. Es-tu un dresseur? Oui, tu es un dresseur. T'es un dingue des Pokémon. Tu veux voir ma collecte? Ah, coucou. Tu veux voir ma collecte? Let's go. Pokémon veut se battre. Rhinocorne, ça tombe bien, j'ai mis Blaze. Fuck you, bitch. Bon, on va changer, hein. Écoute. Qui qu'on va mettre? Céline, t'es un petit peu à la bourre par rapport aux, à tes potes. Mais non, je suis con, en fait, il est encore plus à la bourre, Blaze. Ouais, mais il a pas le bon niveau. Méga Sensu, Trancherbe. Bon, Trancherbe devrait suffire. Il y a que des attaques plantes, hein, Céline. Je sais pas si c'est très stratégique, tout ça. De toute façon, tes cœurs, vu que c'est un grand stratège, il devrait m'en parler. D'ailleurs, tes cœurs, je pense... Non, je mettrai pas de lien vers sa chaîne dans cet épisode-là. Je le mettrai dans le prochain, dans celui où il sera là. Hop, Blaze, c'est parti. Blaze, il va défendre ta maman, excellent. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tranche, par défaut. Ah ouais. Parce qu'en plus, t'es pas KO, toi, hein. Dit-il en le regardant avec des yeux pas gentils. Et voilà. Plus là, je joue sur grand écran, je joue en 1280x720. Hop. Nian. Nia 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 nia. Pardon. Ma belle collègue. C'est... Pourquoi Nian, sérieux? Central. Est-ce que c'est comme le papy dans la vidéo qui fait Nian 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 nian? Quand il rigole. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Alors. Sacha obtient du carbone. Carbone 14. Carbone 12, j'en sais rien. Excusez-moi, j'ai une physique aujourd'hui. Même si on n'a pas du tout bossé sur ça, hein, tant pis. On va le donner à... On va le donner à... Bisous. C'est une tortue, donc une tortue, c'est lent. Alors, je me demande quel animal est... Florizard. Un dinosaure, sûrement. Oui. Ah, des méchants, j'allais dire des dinosaures. Ça va pas très bien dans ma tête. Hein. Un Volturbe. Coucou Volturbe. Hop, tranche sur le Volturbe. Et il est KO, direct. Allez, un coup critique. Hop, hop, hop. C'est parti. Bzzz. Il y avait une musique de dresseur là, hein. N'importe quoi. Alors, quel niveau es-tu? Niveau 40? Bah c'est cool, écoute. Hein. Ouais, c'était l'imitation du bruit qu'il fait. Hein. Wouhouhou! Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Pardon, c'est obligatoire. Hop! En tant que fan de Sonic, je ne pouvais échapper à l'occasion. Allez hop! La grosse couille est capturée. Le profil de la grosse couille est transféré sur le Pokédex. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit des conneries comme ça. On dit qu'il se déguise en Pokéball. Il s'autodétruira à la moindre stimulation. Vous aurez donc compris. Ne pas caresser un Voltorb à son endroit intime, surtout qu'il n'en a probablement pas. Ouais! Warfest! Je ne connais pas la route, donc ça va être joyeux. Il n'y a que des Voltorbs dans ce Blaze. Allez Blaze, nettoie-moi tout ça. Allez, au Karcher. Merci bien. Karcher de feu. Attention, hein. Karcher de feu. Est-ce que tu as bientôt passé au niveau suivant, mon ami Blaze? D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit peu d'XP pour l'épisode de l'arène de Jadiel, parce que sinon, on est pas dans la merde.
C'est où? C'est 3010. Ça devrait aller. C'est l'affaire de un bon nombre de Voltorb. S'en faut. À boule le fric. Vol. Mur lumière. Qu'est-ce que ça fait? Les attaques spéciales. Ok. Donc ça va. On est tranquille. Mais Jean, tu meurs pas! Oh putain. Alors ça, ça va faire des bobos. Est-ce que ça fait des bobos? Oh non, c'est bon. Il m'a juste chatouillé. Je ne sais plus parler, vous l'aurez remarqué. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram. Celle de droite. Et bah, raté. Est-ce qu'il y a des électrodes dans cette centrale nucléaire? Ce serait bien, tiens. Des petits électrodes. Tiens, je te tranche ta face. Plus là, il n'y a pas de risque de statique. On est tranquille. Mais tu vas arrêter de te détruire. Arrête de chatouiller Blaze. La façon dont je l'ai dit, on aurait dit Sarko dans les guignols. Et... Ah merde. Non, c'est juste qu'au niveau potion, je suis pas très bien équipé, quoi. Hop, voilà. Pour la ligue, j'ai intérêt de faire le plein de guérison. C'était 33. Au pif, Fatal Foudre. Je sais pas, je connais pas du tout les CT. C'était enclenché, elle contient... Ouais, j'étais très loin, là. Protection, c'est un truc qui sert pas à grand chose. Si Taker était là, il m'aurait déjà tué. Parce que Taker, dans son let's play de Pokémon Colosseum, c'est un grand fan des techniques comme mur, lumière et protection. Oh ta gueule, Voltorb, tu fais chier. Tiens, j'ai deux notifications Facebook et 22 Twitter. C'est génial! Fais-moi un petit coup critique, s'il te plaît, Blaze. Et toi, t'as pas intérêt à exploser. Sonic Boom. Non, je me tais, c'est bon. Hop, c'est parti. Hop. Bah encore ! C'est une blague ! Ah, j'ai reçu un mail. Le mec casse tous ses onglets au-dessus. T'as un onglet YouTube, un autre onglet YouTube, un onglet Gear Network, un autre onglet Gear Network, un onglet Twitter, un onglet Twitter Interaction, un onglet Facebook et un onglet Hotmail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un bouton, ça a fait un truc bizarre. Tranche. Vas-y, tranche lui sa rafale de prot. Ok, du premier coup, fais pas chier. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que dans ce jeu... Il y a des chenilles. Eh ouais, mais on ne le voit pas. Ce qui est vachement pratique. On ne peut le savoir que en les transférant vers or, argent, cristal. J'ai appris ça... Quand est-ce que j'ai appris ça? J'en sais rien, mais je l'ai appris. Il y a des chenilles dans ce jeu, donc c'est cool à savoir. Allez hop, t'es mort. Bon, par contre, Blaze, t'as plus beaucoup de PP, j'ai l'impression. Ou alors j'ai eu une hallucination. Mais elle s'en fout. Oula, oui, en effet. Y'a plus beaucoup de PP, mon Blazoïde. Bon, on va utiliser force la prochaine fois. Alors, Voltorb ou objet? Allez, je parierai sur un objet. Ouais. Je devrais faire du pari plus souvent. C'était enclenché. Bah voilà, Fatal Foudre. Je l'avais dit, Fatal Foudre. Eh ouais. Pikachu, il l'a déjà, je crois. C'est bien ce qui me semblait. Donc ça sert à rien. Pourquoi je suis allé dans le menu? Non, j'ai cru que j'avais reçu un SMS, mais non, pas du tout. Et on est déjà à 20 minutes, putain! Putain, putain, putain! Force. Tiens, dans ta face. Merci, au revoir.
J'en ai rien à battre. You can wait the other side of the rainbow. Bah tu vois quand tu veux. Bah voilà. Et ben voilà. Ah bah il était temps, tiens. Allez, tranche. J'aime bien quand ils écrivent poète, ça me fait marrer. Ah, mon blazouille. Il était temps. Qui qu'on va mettre? Ah, Siphano, obviously. Est-ce qu'il y avait déjà des doubles types à l'époque dans Pokémon jaune? C'est une excellente question, Juju. À laquelle je n'ai aucune réponse. Ça serait bien de le savoir, quoi. Est-ce que Elector est-il faible face au sol dans ce jeu? Ou alors, son type vol l'en empêche? Je n'en sais rien. C'est ça qui est bon. Magnéti, tu vas te prendre une tranche dans ta face. Une tranche de jambon. Hop! Pourquoi du jambon? C'est une excellente question. Pourquoi? Pourquoi du jambon? Pourquoi j'ai parlé de jambon? Je n'en avais aucun intérêt de parler de jambon. Un super bonbon. Un super jambon. Lol. Allez, c'est l'épisode sous le signe du jambon. Je ne ferai aucun commentaire sur les musulmans, mais... Oups! Et musulman, bien entendu, hein. Je suis désolé. Hop, hop. Ah, bah, deux objets, c'est la fête. C'est la fête au village. Un Pivi Plus. On avait dit qu'on les utilisait tous sur Pikachu. Donc, c'est. Are you fucking kidding me? Et ben voilà, c'est pour Balti. T'avais qu'à pas faire le jaloux. Non, pas le jaloux. Oh, j'ai plus de vocabulaire, ça m'a pu. Bon, il est où le gros piaf là? Parce que c'est pas que ça commence à être long, quoi, mais un peu quand même. On a le cherche-objet. Je n'en sais rien. Oh, ta gueule, Voltorb. Oh, c'est pas un Voltorb. Coucou! Tiens, je te plaque. Je te plaque de pression. In your face. Coucou, Etek! Ouais! Piatch, 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 piatch. Super Bowl! Ça devrait rentrer. Mais ça rentre pas! Méga mince! Qui utilise cette expression? Qui a déjà dit méga mince? Sérieusement. Merci bien. Merci de ta coopération, petite électrode. Giga couille. Avec un joli petit bug de son, ça fait mal aux oreilles, ça. Tu pèses 666,6 kilos. Tu es le diable. Numéro 101, comme les Dalmatiens, il stocke de l'énergie électrique dans son corps, ce qui le rend instable et explosif. On va l'appeler... Bon, on va avoir du mal, donc on va faire des fautes d'orthographe. Faute d'orthographe souhaitée. Voilà. Merci bien. En majuscule en plus, hein, alors que j'aurais pu mettre des minuscules. Je suis fou, mes amis, je suis fou. Par contre, après, si je rejoue dans 2 ans au jeu, que je vois ça dans mon PC, je me demande qui c'est. D'ailleurs, est-ce que dans 2 ans, je ferai encore des vidéos? C'est un mystère. Dans 2 ans, je serai en terminale, je passerai mon bac. Mon baccalauréat. Le BACA, BAKA, je l'ai déjà. Mais le BACA, je l'ai pas encore. Ça commence l'année prochaine. Hop.
Allons-y, on fuit comme des lâches. Ah bah il est là, le gros piaf. On va sauvegarder, au cas où on le tue. C'est CTRL R, je crois, pour un reset. Bon, on fera CTRL R si on bute. Et pour commencer le combat, bon, on va mettre Siphano. De toute façon, je pense que c'est le plus efficace. Il était à l'envers, là. D'accord. C'est bien ce qui me semblait, hein. Il me montrait son cul. Coco ! Niveau 50 ! Mais c'est que tu es d'un niveau largement supérieur à tes potes. Ah, l'enculé, il est malin. Tiens. Éclair. Ah non, en fait, il est pas malin. Plaquage. Paralyse-le, s'il te plaît. Ça serait cool. Putain, t'es vraiment con, toi. Allez. Soyons fous. C'est possible, ça? Un expert comme moi? Non, je déconne. Hein? Attendez. Ah, je suis désolé, là, il y a un petit problème. Bon, je sais pas, hein, mais... Faut m'expliquer, hein. Tu le pars. Merci, c'est gentil de ta part. Hyperboule. Mais non, mais c'est quoi cette connerie, là? Manquer le Pokémon? Attendez, c'est quoi ce délire? Je ne comprends pas, hein? Quand j'éclaire, est-ce que ça marche? Où ça marche? Ouais, non, mais s'il te plaît. On va pas me tuer. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est un coup critique. Ouais, si je le manque, là, c'est... Non mais... Ils sont sérieux? Ouais? Bien sûr? T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule, monsieur le jeu. Attendez. Je vais faire une ellipse, hein. Alors il semblerait que on puisse l'attraper que s'il est endormi ou gelé. Donc on est dans la merde. Voilà, voilà. Bon, je vais essayer encore quelques petites fois et si ça marche pas, et ben on le tue. Hein, on va être obligé de toute façon. Hop. Bon. On n'a aucun Pokémon qui peut endormir et aucun Pokémon qui peut geler, donc... Voilà, quoi. Et là, j'ai plus que des Pokémon qui sont merdiques contre lui. Donc, on va le tuer. Rafale Psy. Il me semblait qu'il y avait encore Choc Mental. Non, j'ai dû l'enlever. Hop. Voilà. Elector, de toute façon, qui n'est pas un Pokémon vraiment très, très utile... voilà, on va aller soigner nos bestioles, on va se téléporter à Jadiel. Et voilà, nous sommes arrivés des carottes et des navets. Oui, je te confie mes Pokémon, t'inquiète pas, cocotte. Pam pam pédédam. Eh ouais, ils ont la super pêche, la poire, la banane, la pomme, la fraise, la framboise, le cassis. Bref. J'ai cité les fruits. On va déposer les objets qu'on a obtenus ici. Je préfère dire obtenus, c'est plus marrant. Hop. Que désirez-vous stocker? Ça, c'était protection, donc ça sert à rien. Et... Fatal Foudre, hop, c'était 25 comme Pikachu, ça me permettra de me faire un petit repère, tiens. Que Pikachu est le Pokémon numéro 25, vous ne sauriez pas.
Même si c'est quand même assez connu, hein. On va aller parler au PC de Shane. Non, pas au PC de Léo. Pourquoi j'ai appuyé deux fois sur le même bouton? PC de Shane. Voulez-vous faire évaluer votre Pokédex? Weapon, 113 Pokémon vus, 36 Pokémon pris. Très bien, mon assistant a un cherche-objet pour toi. Bah c'est cool. Mais il est où? Cela reste un mystère. Cela reste un mystère, bah LOL! Pikachu! C'est cool. Ouais. On va se caser là. Et tac. Et tac, on sauvegarde. 90 heures, non. C'est juste que tout est passé en speed. Donc voilà, pour l'entraînement. Je fais tout en speed, hein, ça va beaucoup plus vite, plus pratique. Que de me taper des combats entiers alors que j'ai juste à mitrailler le bouton A, enfin qui est en fait mon bouton W, mais c'est pas grave. Épisode de 31 minutes environ, donc c'est bon, hein, c'est dans la norme. Donc moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera normalement le dernier le dernier en date quoi de des 102 Dalmatiens à la rescousse, ou peut-être un épisode de FF4. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.